Allez, Nouvelle-Orléans en plein jour maintenant. On y voit quand même un peu mieux. Je vais à un café qui est supposément connu. Regardez-moi cette rue. C'est luxuriant, c'est waouh. Incroyable. Vraiment une architecture très très spécifique. Au sud des États-Unis. Et encore plus en Louisiane. Alors on arrive près de la rivière, près du fleuve, il y a Jeanne d'Arc là-bas. Je ne savais même pas qu'il était ici. Lui, il peut laisser sa petite musique. Et là, il y a le café du monde qui est je ne sais pas où, pas loin, mais c'est là que je vais. Mais avant d'aller prendre le petit déj, je vais aller voir le Mississippi. Ça joue de la country. Ah, wow, les bateaux. Il y a de la croisière. Pas de café du monde, hein. Il y a trop de monde. Oh, ah, le café trop de monde. Ah, oui. Bah, du coup, on ira au Monty's. Ah, j'ai pris du crab cake, mon gars, dès le matin. Avec, ils appellent ça remoulade, la sauce. C'est une espèce de mayonnaise spicy. Lui, il a fait un truc un peu plus cohérent pour le matin. C'est les beignets de la Nouvelle-Orléans. Allez, bon appétit, bien sûr. Ah bah elle est toujours là. Elle est plus propre. Il faut qu'on la lave à un moment donné. Ou alors faut qu'on aille faire des donuts dans de la gadoue pour la rendre vraiment sale. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une meuf qui est venue contrôler la caisse. Ouais. Elle démarre. Elle a badé parce qu'elle trouvait pas comment. Elle a vu la fausse plaque, enfin la ouais. Et donc elle est certainement, d'après Alex, partie appeler des vrais flics. Il y a un mec qui passe derrière en plus, quel mongol. Pour qu'il vienne checker. Bah ouais, checker. Donc, plus vite on parce qu'elle a cherché la plaque, elle la trouve pas, c'est ça? Dans évidemment. Son système. Oui, forcément. Je comprends pas pourquoi. Ah si si, c'est génial. On a eu l'amende avec la plaque. Asman. Oh mec, c'est génial. Cette amende, il faut la garder. Tu disais quoi sur la plaquette, toi? On aura bientôt plus de frein, ouais. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah y a plus de plaquette. Ah merde. En fait, les 10 sont en train de se manger là. Ah. Si. Ah merde. Ah bah c'est genre ça. Salut. Ouf. Allez, rainures. Alors, j'arrive pas bien à voir les plaquettes en elles-mêmes. Allez, rainures des disques là. Le côté, c'est pire. C'est pas si profond. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un casino dans la station service? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. Allez, c'est reparti. Elle est pas à nous, cette tour. Quoique. Non, elle est pas à nous. Sur le grand pont qui traverse entre la Nouvelle-Orléans et le reste de Louisiane en passant par le sud, donc je pense que vous voir là qui fait un lac par là-bas.
On va passer quelques plans au drone. La voiture sent définitivement le cramer, déjà depuis ce matin. C'est là? C'est de là que ça vient? Parce que la roue est chaude déjà. Pas trop, elle est pas bouillante. Oui, car t'as un jeu, t'as un jeu. Ah non, mais j'en ai vu des millions cassés. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, tu parles de la gâte de direction là? Ouais. C'est plutôt le pivot qui fait ce bruit. Oh bah si vous êtes des canaux les gars, débrouillez-vous. Hein. Non, moi ma crainte c'est elle là, elle ou celle d'en bas. Ou elle, pardon. Ah celle-là là. On fait là, on fait. Oula, ah oui, attends, pousse ça, pousse ça, pousse ça. C'est là. Vas-y. Mec, c'est vraiment un vieux matelas quoi, c'est un vieux lit. Ton levis, il est là-dedans. Régler les problèmes de... Regarde, avec ça, tu peux démarrer la caisse. Attends. Ah, t'arrives à couper le contact avec ça? Bah oui. D'ailleurs, j'ai coupé le contact là. Non? Il y a encore. Putain, c'est une clé ancestrale que t'as trouvée? Le plus dur, c'est que ça bouge à l'intérieur en fait. Vas-y bébé, vas-y bébé. Je sens que tu peux le faire bébé. Ah. Tu peux le faire bébé. Oh, oh, oh. Yes. Et là, regarde, tu tournes. Ah non, ouais, attends. Il y a... Attends, je crois. Attends. Attends, le sort pas, le sort pas. Là, tu peux sortir la clé. Normalement. Attends, je sais même pas ce que je fais là. Parce que là, je suis dans les deux trucs. Hein. Ok. Ah bah là, c'est mieux que jamais là. Donc là, au moins, on est plus niqué. Et la vis qui manque, c'est quoi du coup? En fait, c'est pas les vis où t'as un sipon à l'intérieur et une vis qui est juste ronde complètement du début à la fin. Ça s'appelle une vis pointo. Ouais. C'est une vis pointo. On peut en acheter une. C'est bon, il a réussi. Vous avez réussi? Il a remis dedans. Fous-toi de ma gueule, comment? Non, bah en non. Prenant deux secondes au lieu de s'exciter. Faut regarder les choses, faut prendre le temps. Bon, bah non, faut jamais enlever ce Neyman de là. Non, faut qu'on remette une vis pour pas qu'il ressorte en fait. Le mec a enlevé la vis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait. Juste parce que je filme, ça a pu marcher. Ouais, non, en fait, regarde, le principe est un peu con. Mais en gros, faut que tu remettes. En fait, cette partie-là, elle sort. Faut que tu puisses déjà mettre l'ergo dans ça. Ouais. Sans toucher ce truc au fond, tu vois. Et une fois que. Attends, parce que faut que je vois quand même ce que je fasse. Ouais, il se tape la tête, il y a des 3000 caméras, c'est le bordel. Attends. Bon, ça marche. Putain, tu vois, il va falloir regarder des culs. Hein? Hein? Ah. Eh, parlez pas comme ça de vous, Daron. Et Giggs, je sais pas. Giggs, c'est chill. Tu vois, parce que je peux pas. D'accord. Donc là, en gros, je fais. T'as le mécano. Tu fais 3 fois le tour, puis tu fais 2 incantations, c'est ça. Et après, ça marche. Ah oui, parce qu'il y a cette partie là qui tourne aussi. C'est ça. Ouais. Elle sort. C'est beau. Quel salope. Ouais, bah, ouais. Vlad a trouvé la solution. Voilà, en plus d'être un très bon pilote de drone. Wow, wow. Tac. Magnifique. Ouais. Ok, donc là vous pouvez toucher le Chanel. Mais là on peut pas acheter la vis et la mettre là. Hein? Là c'est la vis qui manque non pour bloquer. En fait il y a une vis pointeau qui est en dessous en fait. Et tu vois le trou quoi. C'est vis là, c'est vis de merde là. Tiens, attends. Bah, attends, je vais l'arracher là. Tiens. Tu vois ici, regarde. Tu vois un truc qui est là. Qui bouge, qui empêche le truc. Désolé, il y a Alex qui nous empêche. Tu veux ou pas? Bah, je suis ici. Attends. Mets-toi de ce côté-là. Du coup, t'as vu ce que c'était? Attends, c'est quoi cette solution-là? Bah, tu vois, une élastique de cheveux dedans, là. Tu crois vraiment que ça va empêcher de tirer les mains? Mec, regarde.
Oui, d'accord. Bon, 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 ça vient. Ok, mais donc on laisse la clé maintenant. La voiture, elle démarre, elle s'éteint. Elle... Attends, il lui avait piqué un outil pour réparer. Attends, regarde, il va lui rendre l'outil. C'est énorme. Oula, 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 oula. Il s'est sur la gueule. Attends, c'est énorme. Vous avez rien suivi de ce qui s'est passé, c'est fabuleux. Il a gueulé ? Non, 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 non. Il était content ? Ouais. C'est ça qu'il cherchait ou pas ? Ah oui, c'est regarde, il a ouvert son seau. Du coup, le mec était en train de chercher partout, il pouvait plus ouvrir ses seaux. Mais attends, c'était soit, soit. Bah, on se casse. Soit il ouvre pas ses seaux, soit on ouvre pas. Allez, on s'en va. Vas-y, joue, on ouvre les initiales. 1, 2, 1, 5. C'est bon, ça fait 5. Ok. C'est projet que ça. Turn right onto Bon, on a plus trop de boîte de vitesse. J'ai mis un coup de couper l'overdrive pour la ralentir un peu et elle a pas kiffé. Voilà, il a coupé l'overdrive au cas. Ça repart. Mais ça fait un sale bruit quand j'accélère. Mais là, il y a un bruit bizarre, non ? Putain, quand je l'ai coupé d'accélérateur, la voiture va ralentir, train... les mecs ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais genre, après avoir remis l'overdrive, quand j'ai accéléré, ça faisait. Et il se passait rien. Pas du tout, pas chaud. Et Pierre, je rigolais en faisant la boîte, je vais la laisser partir. Oui. Et deux secondes après, tu fais ah, le karma, mon gars. Instant karma, c'est clair. Tu sais, j'ai le petit coup de taquet, genre. J'ai enlevé l'overdrive, ça fait un sabri. Il fait, tu vas voir, on va poser la boîte. Du coup, on l'a vraiment posé. Ah, bordel. Et tu es lui. Welcome to Mississippi! On vient de changer d'état au cas où. Attends, il y a des camions derrière, mec. Non, mais on s'arrête, non, mais on tourne. Ah, ah. Et qu'il y a des voitures derrière. Mec, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je m'arrête. Mais tu me dis de m'arrêter, je m'arrête. Mais non, mais on met. Je pense que War Fun Mix Fascinating. Je sais pas où on est. On est dans un truc de la NASA. Je sais pas si on a le droit d'être là. Bon, on teste, hein. Je sais pas si on peut aller voir la grosse fusée. On a dit ça va être 100 balles l'entrée. On aurait mieux fait de faire une photo depuis l'autoroute. Ah, donc, je crois que c'est un musée, mais je suis pas sûr. Infinity Science Center. Bus Harvey. Nous, on est un Harvey, on est d'accord. Oui. Regarde la grosse fusée là. Regarde la fusée, frérot. Attends. Regardez, c'est une fusée, enfin un bout de fusée. C'est gros, hein. Oulala. Perdu au milieu de nulle part. Il y a des gros moteurs, hein. Ça fait peur. Oulala. On va faire un swapou. Je pensais pas que c'était aussi grand. Je suis choqué de la taille. Non, mais je pense qu'en vidéo, on se rend pas compte, en fait. Non, on se rend pas compte. C'est tellement immense. Là, tu mets au moins 18 narnards dedans. Ah ben, quoi ? Vraiment, hein. On a encore changé de paysage. Là, c'est marécageux au milieu entre les deux routes. J'ai presque envie d'y aller. Et boisé sur les côtés. On arrive bientôt au bord de mer. Mississippi Gulf Coast. Bon là on arrive vraiment chez les rednecks du fin fond quoi. Là c'est le bayou mon gars. Il y a des maisons avec des... Tout est pété. On est passé devant une maison, il y avait des bateaux complètement moisis, il n'y a rien qui allait quoi. Oh regardez tous les petits bus là. School bus everywhere. School bus everywhere. Ah bah voilà, lui il peut nous réparer nos rotules. Ah, ah. Ah tu vois, on voulait du bayou, bah on en a là. Waouh, waouh. On se demande pourquoi ils sont tous sur pilotis. Parce que si c'est à cause des inondations, bah pourquoi il y a des maisons qui sont pas sur pilotis dans ce cas-là. Bon, alors lui c'est le gouverneur. Ah non, c'est l'église, pardon. On arrive à la mer. Oui. Trop beau. De loin, je croyais que c'était le ciel, mais c'était là. C'est vide, il n'y a personne. C'est ouf, c'est génial. On va se baigner, non? Mais regarde cette côte de fou, il n'y a personne. Viens, on se baigne. Seigneur, laisse, Seigneur. Non, il pas la caisse. Ferme la fenêtre, ferme la fenêtre, ferme la fenêtre. Bon, je vais m'arrêter là. Vas-y. C'est beau. Ben oui, on va aller se garer de l'autre côté, t'inquiète. Alors là, on est au bout du chemin, il y a un casino. Tu peux pas aller plus loin. Je sais pas combien elle est, la mer ici, elle doit pas être chaude quand même. Regarde la Cadillac là, c'est une Cadillac, c'est quoi ? Spécial.
Rusty Krusty. Ah, Rusty Krusty, ouais. Rusty Krusty. Oh mais ça a même pas fait de tâche. C'est pas drôle. Je pensais qu'elle serait plus sale. Ah l'océan. Enfin. Et on est reparti. Tout vent en remarche, donc je peux enfin ressortir par là.
essaye de faire son poseur. Il n'y arrive pas. Bon gosse. On est arrivé à Baie-Saint-Louis. C'est très très beau. Petite ville côtière. Il y a un mec qui prend une place entière juste pour sa voiturette de golf. Bon, on va aller s'enjailler dans ce bâtiment où il y a un bar sur 4 étages. On va voir ce... Oh, mais regardez-moi le coucher de soleil qui n'en finit pas de se coucher. C'est incroyable, c'est vraiment des couleurs. Découvre en temps réel. L'Orléans, c'est incroyable. Santé. Santé, bonheur. Santé, bonheur. Pieds. Santé, t'es devenu vegan, santé, 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 santé. Nice. Thank you. Wow. I'm coming. Oh, ça, c'est un froid. Merde, tes ribs, là, mon gars, l'enfer. Hein. The half chicken. Ah non, c'est pas ça. I will be right back. Ah, yes. And this is his deeper burger. Oh, wow. Deeper burger. I'll be right back. Ok. Yep, et hop là, okay, j'ai nique son side. Ah, par contre, elle a dit que c'était un half rack. Non, c'est ouais. Un full rack, ça. Non, c'est full rack, tu vois. On a demandé des full rack, mais elle a dit à 2h half rack, c'est bizarre. Alors, est-ce que vous kiffez votre race là? Il est bien marrant. Hein. Il y avait du pulled pork, half chicken, full rack of ribs, un bout de ribs, du brisket. Thank you very much. Et du mac and cheese. Et lui, il a pris un burger parce qu'il a pas parce de race. Il mange que ça. Ah, mais il aurait dû prendre le steak machin, moi j'hésite à prendre. God damn it. Nah. Ouais, c'était très propre, donc c'est bien passé. On a un peu trop mangé, et heureusement que vous avez pas eu le début de ce qu'il vient de dire. Je leur demande en fait s'ils aiment bien les films. Parce que là. Oh l'enculé, mais ce mec il m'énerve. En fait, tu me donnes des complexes. C'est pour ça que j'arrive pas à apprendre. Ah non, il est reparti à zéro. Allez, adieu Baie-Saint-Louis, c'était génial. Et maintenant, Mobile, Alabama. On est en route pour l'Alabama, motherfuckers. Et lui, il roule des trucs, on a le droit de rouler ici. Voilà. Allez, à bientôt. Oui, oui, man. Oh, ça commence mal cette histoire. Ah, attendez, j'arrive, j'ai le pantalon qui part. Je perds mon froc. Oh Narnar, il recule, il s'en fout s'il tape. Si je tape pas, il s'arrête pas. Ouais, quoi. Parce qu'il se dit qu'il y a des arrêts, c'est pour les pneus, sauf qu'il aurait tapé avant. Quoi. Hey, Narnar, si je tape pas, tu t'arrêtes pas. Lui, il y allait. Hein. Lui, il y allait, il s'en foutait complet. Il s'est dit, moi, quand je tape ça, je m'arrête. Je me suis dit, il va m'indiquer. Mais c'est bon, t'as ouais, j'ai tapé, ouais. Mobile, Alabama. We've been on a road trip for 6 days, everybody loves the car. On a trouvé un bar et E.T. en haut, c'est très cool. C'est fini un petit billard à Mobile, Alabama. Oh yeah. Ah voilà, ils ont fini de faire les cibles, on les a enfin retrouvés. Ça fait 1h30 qu'on les attend. Je préfère
Je meurs. C'était magnifique. Ah, je meurs. Incroyable.